Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps, à quoi bon? Puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou mon rôle, moi? Si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissait Saint de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune, blanche, ses cheveux tombés sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril, à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin le suit?
Qu'est-ce que tu me disais? C'est une belle toune, ça. C'est une belle toune, ça. Ça m'apparaît être un choix pertinent pour le début de la capsule. Car ce soir, nous offrons Céline. N'est-ce pas? Ben oui. Il y a de l'enthousiasme dans l'air. Nous commençons. Puis, bon... Bon, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames. Vous êtes bien à la 22e capsule de Café Balbise avec Jean-Math et Michel Bianco. On vous souhaite beaucoup de plaisir. Oui, oui, parce que ce soir, nous sommes uniquement avec Céline. Puis apporte donc des précisions, genre, puis tout. Ben, Céline, c'est Louis-Ferdinand Céline. Nous allons reprendre la première lecture pour offrir à nos une gens... Une intégrale, Céline. Oui, c'est cela voilà, même. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, voici... C'est avec grand plaisir que nous vous offrons la lecture du Voyage au bout de la nuit en 6 extraits. Ouais, à tout à l'heure, Jean. À tout à l'heure, messieurs, dames. Maintenant, j'avais le goût de vous proposer... Une petite séquence de lecture à partir du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Ah, oh, c'est pas son œuvre maîtresse. C'est son œuvre phare, c'est la plus connue de ses romans. Alors, c'est un roman qui il a écrit ça aux alentours de 1932. Il relate sa vie alors qu'il avait 20 ans, en 1914, au début de la Première Grande Guerre. Alors, justement, le début du roman... porte sur la rencontre avec un de ses amis de l'époque. Et ça va comme suit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien dit, rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit, rentrons. Je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse qui commence, c'est pour les yeux à la coque. Viens par ici. Et ensuite, il y a tout un échange dans la conversation qui porte sur tout et rien. Puis comme on est en 1914, à l'été de 1914, la guerre est toute proche. Et la discussion finit fatalement par porter sur la guerre. Alors son ami Arthur continue. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis, moi, pour l'ordre établi. Je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi, bien sûr, et pas fainéant, prête à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin... nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme que j'ai convenu conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère. On rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous même, attirer tous nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, suintant des rouspignoles. Et puis voilà, en haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres, et qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leur chapeau haut de forme, et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. « Bande de charognes, c'est la guerre !» qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur, gueuler, voir un bon coup, et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1! Qu'on vous entende de loin! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus, nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer et avec le colonel par devant sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel, moi je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur et me voici parti à m'engager et au pas de course encore. T'es rien qu'un connard, Ferdinand, qui me crie. Lui, Arthur, en retour, vexé sans doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça ne m'a pas arrêté. J'étais au pas, j'y suis, j'y reste, je me dis. On verra bien, hé, navet,
que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins. Et puis, plus du tout d'encouragement, plus un seul, sur la route. Nous n'étions donc plus rien contre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Il y a une suite de peut-être 5 autres lectures de cette aventure de Louis-Ferdinand Céline dans la guerre de 1914. On ne peut pas s'empêcher de penser à la conscription ici. Et les portes se refermant en douce derrière nous. Oui, sauf que dans son cas, c'est de voir l'enthousiasme avec lequel il est parti dans cette aventure. Ben oui, comme la plupart à l'époque. Oui, oui. Hein. Tu ça vois va les durer films, 2 semaines. Tu vois les films d'époque, les soldats dans les trains qui s'en vont, bye, bye, la fleur à la boutonnière. Oui. Eh, Seigneur. Seigneur. Eh bien, maintenant, faisons place à la seconde lecture de Céline. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval, puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on ne savait où, dans ce petit endroit, sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là, précisément, qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre, où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs, au milieu, comme nous. C'étaient 2 Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi peut-être qu'ils savaient, mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux étant petit aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois aux alentours, où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marques. Oh, un instant. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire.
que je ne ressentais, moi, pas du tout. Je n'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments, toujours, n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Énormément, absolument, tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 mm, à 1 mm peut-être, des tempes, venaient vibrer l'une derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Fermes désertes au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leurs campagnes, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi, pour qu'on se trouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part, tout de même. S'ils n'étaient pas ailleurs, que je me disais, s'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon. Aussi mal, on n'aurait pas osé devant eux. Mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller, plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. T'es-tu en train de me dire que le gars s'en va à la guerre contre les Allemands, puis qu'il fait la réflexion? Je leur ai rien fait, moi, ces gens-là. Oui. Puis les deux sont plantés au milieu de la rue, au milieu d'une route. Un petit rang de campagne, quoi. Ils se font tirer dessus depuis un quart d'heure, ça bouge pas, puis ça se demande pourquoi que les Allemands leur tirent dessus. Eh ben... Ouais. C'est parti. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi, le déroulé dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal. Mais il semblait avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce que c'est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Moi d'abord, la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre non plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous ratait sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je? Et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon pour tout y détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens... ne font pas. 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans
14, aucune d'elles. Il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur, mal donne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire et qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats. Mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des Entrées, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes, par un agent de liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux, ce garçon-là. Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à cour. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle, comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et celle d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Wow! Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah, combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici, moi, crétin. Pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, prévoyant voler quelque chose quelque part quand il était temps encore. On ne pense à rien. De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je ne l'avais plus. Il n'y avait plus rien à voler. Comme il ferait bon dans une petite prison pépère que je me disais où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une toute prête, au soleil, au chaud, dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien, je passais souvent par là autrefois. Comme on change. J'étais un enfant alors. Elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirais plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes, et d'eux seulement, qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent, épuisés enfin ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier. Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre, au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à 2 pas. J'allais lui parler. Jamais je n'avais fait. C'était le moment d'oser, là où nous en étions. Il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanda-t-il. J'imaginais, très surpris bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï ce cavalier à sortir d'un tombeau et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi? « Qu'est-ce que c'est ?» l'arrêtait net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier.
De le voir ainsi, cet ignoble cavalier, dans une tenue aussi peu réglementaire et tout foirant d'émotion, ça le courroucait fort, notre colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident. Et puis ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque, un régiment qui s'élançait dans la guerre. Il avait l'air de la saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde-à-vous, les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'était à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, » qui dit tout d'un trait. « Et alors ?»« Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel. »« Et alors ?»« Il a été éclaté par un obus. »« Et alors, nom de Dieu ?»« Et voilà, mon colonel. »« C'est tout ?» Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain ? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « Et le pain ?» Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe, on en a eu tellement plein les oreilles, les yeux, le nez, la bouche tout de suite du bruit que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis non, le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis et les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Ben, ça va suffire, je pense, pour ramasser. Ok. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. J'en connaissais bien encore 3 ou 4 dans le régiment de sacrées ordures que j'aurais aidé bien volontiers à trouver un obus comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui en voulais pas. Lui, pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus, tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc, par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied. Le messager, fini, lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête. Rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert. Il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire mal, ce coup-là, au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin en titubant comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus, c'est vite arrivé les affaires tout de même avec un seul obus, que je me disais « Ah, dis donc », que je me répétais tout le temps « Ah, dis donc ». Il n'y avait plus personne au bout de la route, les Allemands étaient partis.
Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée âcre s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi. On repasserait peut-être place Clichy en triomphe. Un ou deux seulement qui survivraient, dans mon désir. Des gars gentils et bien balancés derrière le colonel. Tous les autres seraient morts comme le colon, comme Bacchus, comme Vanaille, une autre vache. On nous couvrirait de décorations, de fleurs. On passerait sous l'arc de triomphe. On entrerait au restaurant. On vous servirait sans payer. On paierait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Des défenseurs de la patrie, et ça suffirait. On paierait avec des petits drapeaux français. La caissière refuserait même l'argent des héros, et même elle vous en donnerait, avec des baisers quand on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement. Pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C'était à recommencer. Il se remit à pleuvoir. Les champs des Flandres bavaient l'eau sale. Encore pendant longtemps, je n'ai rencontré personne, rien que le vent, et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais d'où, une balle comme ça à travers le soleil et l'air me cherchait, guirette, entêtée à me tuer dans cette solitude, moi. Pourquoi ? Jamais plus, même si je vivais encore 100 ans, je ne me promènerais à la campagne. C'était juré. En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille, dans un pré qu'elle avait eu lieu, cette cérémonie, au revers d'une colline. Le colonel, avec sa grosse voix, avait harangué le régiment. « Haut les cœurs !» qu'il avait dit. « Haut les cœurs et vive la France !» Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de chose. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort, tardive, dans 20 ans, 30 ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait tout de suite à bouffer de la boue des Flandres à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors, où aller? Droit devant moi? Le dos à l'ennemi? Si les gendarmes ainsi m'avaient pincé en badrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides de classe, partout où nous passions. On aurait joué avec moi la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menottes aux mains, devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé, 12 balles, plus une. Alors, et je repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches. On l'aurait montré se promenant comme je l'avais vu, moi, sous les balles et les obus dans un music hall. C'était un spectacle à remplir, l'Alhambra d'alors. Il aurait éclipsé Fragson, dans l'époque dont je vous parle, une formidable vedette cependant. Voilà ce que je pensais, moi. Balai-cœur que je pensais, moi. Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était un avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu'on m'annonça, tous vivants. Et moi qui possédais la grande nouvelle. « Le colonel est mort !» que je leur criai dès que je fus assez proche du poste. « C'est pas les colonels qui manquent !» que me répondit le brigadier Pistil du tac au tac, qui était justement de garde lui aussi, même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel va donc et carotte toujours à la distribution de bidoches avec Ampouille et Kerdoncuf, et puis prenez 2 sacs chacun, c'est derrière l'église que ça se passe. Qu'on voit là-bas. Et puis vous faites barfiler encore rien que les os comme hier, et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l'escouade avant la nuit, salopard. On a repris la route tous les trois donc. Je leur raconterai plus rien à l'avenir, que je me disais vexé.
Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu'un drame comme j'en avais vu un s'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles, qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que 8 jours plus tôt, on en aurait mis sûrement 4 colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel comme c'était arrivé. Des abrutis. C'était donc dans une prairie d'où qu'on distribuait toute la viande pour le régiment, ombrée de cerisiers brûlés déjà par la fin d'été. Sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l'arbre, et sur lequel s'escrimait encore en jurant les 4 bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore et partout, à travers l'herbe en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà 4 hommes et 1 boucher se disputaient certaines tripes à venir. « C'est toi, vendu, qui l'a étouffé hier, la loyau. » J'ai eu le temps encore de jeter 2 ou 3 regards sur ce différent alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes 2 sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas. Ah, c'est terminé. Oui, je m'éclaircis la voix pour la sortie de la 22e capsule. C'est terminé. C'est tout. Fini. Nous avons présenté Céline. Oui, un voyage au bout de la nuit. Céline. Mesdames et messieurs, que l'année 2015 en soit une de santé, de rigolade, et de bienveillance. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? De plaisir. Oui. Nous vous laissons sur ce. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine. Bonne et heureuse année à tout le monde. Hey, non, Jean. On ne laissera pas pour une bonne année sur de la musique comme ça, là. Tiens, on va mettre du Vivaldi. On est en hiver, bon, hiver de Vivaldi. OK? Bon. Bye-bye!